Peggy? Peggy? Chérie? Chérie? Oh, te voilà! Tu peux me dire d'où ma douce tu viens? Peggy! Mon bébé, mon bébé, mon bébé! Bébé, je sais pourquoi tu froisses le visage. C'est parce que je suis pas rentré hier soir, c'est ça? Pourquoi ne le ferais-je pas? Pourquoi je ne le ferais pas? Quand tu m'as tenu éveillée toute la nuit et quand j'essayais de te joindre, je n'y parvenais pas et tu n'as même pas essayé de me joindre. Chérie, calme-toi. Sais-tu ce qui m'est arrivé? Tu sais pas si j'ai été arrêté? Sais-tu qu'on m'a embarqué? Hein? Écoute, tu sais comment ça marche. J'ai vu un client très important. J'ai dû rester pour le convaincre afin d'éviter des fausses histoires. Tu sais comment les choses fonctionnent? Mais t'en fais pas, chérie. Je t'ai apporté quelque chose qui va te plaire. Attention les yeux, regarde, bébé. Comment tu sais que ça va me plaire? Parce que je te connais, je sais que t'adores ça. Oh, oh mon Dieu. Ah, oh mon amour, ouais. Merci trésor. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies acheté le dernier. Bien sûr, je l'ai fait. Oh mon Dieu. Ok, mon amour, je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai dit. Je sais que tu étais dehors pour une bonne raison. Bébé, avant que je puisse l'ouvrir, m'entends pour que je puisse prendre une bonne douche froide et après je te ferai ton plat préféré. Oh mon Dieu, merci chérie. Ça va, t'inquiète. Tu sais, si t'as pas d'argent, alors cache ton visage. Alors, comment se porte mon bébé? D'où diable est-ce que tu viens? Donc, tu vas pas m'embrasser? C'est terrible ça. Donc, c'est comme ça que tu accueilles ton époux que tu n'as pas vu depuis plus de 24 heures. Tu m'as gardé éveillée la nuit dernière, me privant de mon beau sommeil. Dieu seul sait où tu as passé la nuit. Et tu t'attends à ce que j'ouvre grand les bras pour t'accueillir, n'est-ce pas? Bon, attends, dis-moi. Écoute-toi un peu. Non, dis-moi. Comment voudrais-tu que je réponde à ta question? Très bien. Commence par me dire où tu as passé la nuit et d'où est-ce que tu viens?
Tchai, honnêtement, bébé, des fois tu emmerdes, tu sais. Tu emmerdes. En fait, tu te comportes comme si tu ne savais pas dans quel genre d'affaires je suis. Je traite avec tes clients, différents types de clients. Bon, écoute, chérie, je vais te dire un truc. Il y a ce client qui devait me payer hier. Mais j'ai remarqué la façon dont Duran et Jason m'observaient. Ils étaient suspects. Alors j'ai dû rester pour me rassurer que le virement serait fait. Et heureusement, le virement a été fait. Maintenant, regarde ça, hein? Des dollars. Il y en a plein dans ce sac. Hein? Et si je n'étais pas resté, crois-tu que je serais revenu avec ces dollars? Non. Allez, bébé, regarde ce que je t'ai acheté. Exactement ce que tu aimes. Jette un coup d'œil. Allez. Waouh! Gucci? C'est du Gucci. Et c'est vraiment très coûteux. Dieu! C'est la dernière sortie. Ça l'est. Hein? Bébé, écoute, je suis vraiment désolée. Tu sais, j'étais inquiète pour toi. C'est normal. Tu sais que tu es le seul homme de ma vie. Tu devrais t'en vouloir. Mais écoute, tu sais, ce n'est pas grave. Hein? Car je sais que c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. Je sais que c'est l'amour qui te fait réagir de la sorte. Hein? Tu sais que je t'aime. Je le sais, je le sais. Hein? Il est trop joli. Oui, ça l'est. Je voulais l'acheter, mais je n'avais pas d'argent. Mais tu sais que je lis tout le temps dans tes pensées. Je sais. Avant même que tu ne penses, je l'ai déjà fait. Tu penses, je fais. Je sais. As-tu mangé? Je t'attendais. Mais pourquoi? Mais pour manger avec toi. Non, mais non, prochainement, mange avant que je ne rentre. Je me démène pour nous. Mm. Alors, les tâches terminées, c'est qu'on a commencé. C'est trop joli. Oui. Il y a plus d'articles, hein? Il y a plus d'articles, c'est juste que c'est ça qui m'a plu, alors je l'ai pris. Jason, je m'adresse à toi et tu veux toujours quitter la maison? Si je m'en souviens bien, ma femme m'a demandé de rentrer où j'étais. Et comme un bon époux pour ma douce épouse, je rentre au bureau parce que c'est de là que je viens. Jason, tu t'entends parler? Je suis restée éveillée toute la nuit dernière. Tu reviens ce matin et c'est tout ce que tu trouves à me dire. Tu aurais dû venir me voir et me parler calmement de ce problème. En me demandant d'où je viens, au lieu de me rentrer dedans et de me dire de rentrer où j'étais. Jason, je suis ta femme. Et j'ai parfaitement le droit d'agir négativement quand une situation m'incommode. Et je suis ton mari. Et je peux également choisir de réagir négativement, surtout quand mon statut de chef de famille ne m'est pas donné. J'ai passé les dernières 24 heures à la chasse d'un client qui devait me payer. Et je suis resté parce que tous mes amis rôdaient autour de son box. Si j'étais rentré à la maison, il m'aurait pris cet argent. Et ce même argent, je l'ai utilisé pour t'acheter un cadeau. Devine quoi? Je ne te donnerai pas ce cadeau à moins que tu ne me prouves comment une véritable bonne épouse réagirait face à son mari. Je suis navrée, bébé. Qu'est-ce que tu espérais que je fasse? J'étais très inquiète. Et tu me manquais. Bébé. Désolée. Ça va, c'est bon. Je te comprends. Mais écoute, je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées de l'endroit où je pourrais me trouver très tard dans la nuit. Tu sais ce que je fais. Si je ne me rassure pas que ces gardes et bourses de l'argent, je vais me retrouver en train de rôder partout. D'accord? Pardonne-moi, bébé. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je suis tellement désolée. Promis? Je te le promets. Chou, tu sais quoi? Va ouvrir la chambre et je te montrerai ce que j'ai pour toi. Ok? Wow! C'était chouette, mais on ne s'attendait pas à ça. C'est bon, on t'a eu. Ne nous mens pas, on t'a bien eu. Non. Je ne suis pas d'accord, pas du tout. Je sais qu'on l'a coincé, j'ai fait. Hey. À vous, c'est tout. Sinon, comment tu t'es pris pour convaincre ta femme pour la nuit dernière? Oh, ça. Rien de particulier. Je suis arrivé à la maison. Je lui ai raconté quelques mensonges et acheté quelques trucs, c'est tout. Juste ça? Man, je te fais pas dire, j'ai fait exactement pareil. Voilà. J'ai acheté la dernière sortie du iPhone, je suis arrivé à la maison et boum. Je lui ai dit que c'est l'argent que j'ai travaillé durant toute la nuit et elle m'a cru. Et aussi simplement, elle t'a cru. Bien sûr, écoute, mon frère, tu sais, les femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est l'argent ou les cadeaux, c'est tout. Ce qui est marrant, c'est que ma propre femme a accepté de la même façon. Je l'ai juste acheté. Le dernier sac Gucci, très coûteux. En gros, j'ai fait pareil et elle m'a cru. Vous savez ce qu'on dit, les gars. L'argent dirige le monde. Écoutez, les mecs, même la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Je parlais justement de ça. L'argent. Si tu as de l'argent, toutes les bonnes filles te tomberont dessus. T'auras les bonnes voitures,
de la bonne nourriture, t'en auras. Et même du bon te vin. Te tomberont dessus. Ah, tu as eu mal, pas vrai? Chut, chut. C'est pas vrai. Attendez, c'est cette fille. Allô? Salut, bébé. Oh, tu es à l'hôtel? Ouais, rends-toi juste à la réception et donne-leur ton nom. J'ai payé la chambre à ton nom. Ouais, la chambre 605. D'accord, je te verrai tout à l'heure. Je résous quelques affaires. D'accord. Hé, hey, mec, c'est quoi ce paquet? Tu vois cette fille? Une ado de 16 ans. Oh mon Dieu. Prescription médicale. 3 fois par jour. Les mecs. Attends, à t'entendre parler. Je parie que tu ne lui as pas demandé de venir avec ses amis. En effet, tu as raison, Doran. Dis-lui que tu as deux de tes amis pleins aux as. On dirait que tu veux que la faute s'abatte sur toi. Attends, hein. Je l'appelle. Ok, attends, ouais, c'est une bonne idée. Allô? Ouais, mon amour. Excuse-moi, je voulais juste te demander, as-tu des jolies copines que tu pourrais amener avec toi, environ 2 d'entre elles? Vraiment présentables, tu vois, je suis avec mes amis. Qui ont de l'argent? Ils ont de l'argent. Ouais, bien sûr, invite-les. T'en fais pas peur ça, ils se chargeront de tout. Cool alors, on se verra dans peu de temps. Attends, tu parlais d'argent. J'ai oublié. Non, l'argent n'est pas le souci majeur. Hey, mais tu aurais dû dire que nous avons de l'argent. Comme ça, elles seront pour qu'elles viennent. La banane va leur tomber dessus. Non, je vais me corriger. Vos bananes vont leur tomber dessus. Mon plantain va leur tomber dessus. Mais qu'est-ce que c'est que... Doran, qu'est-ce que c'est? Qui fait ces taches de rouge à lèvres sur ta chemise? Laquelle de tes prostituées l'a mise là? C'est à toi que je parle! Peggy, s'il te plaît, comme tu peux voir, je suis occupée, ne me dérange pas! Je n'ai rien à foutre que tu sois occupée! Je me fiche que tu sois en train de parler à des milliers de personnes! Ça ne m'intéresse pas! Ce que je veux, ce sont des réponses! Et si je te donne pas de réponse, que va-t-il se passer? Pourquoi ne répondrais-tu pas? Doran, pourquoi est-ce que tu ne me répondrais pas? Tu n'es qu'un traître! Un infidèle! Un homme méchant! Tu devrais avoir honte! Tu veux t'en aller? Tu veux partir, c'est ça, Doran? Tu veux bien partir? Peggy! Oui! Touche-moi, Doran, touche-moi! Touche-moi et je détruirai toute cette maison et toutes tes voitures! Espèce d'infidèle! C'est tout ce que tu sais faire! Reviens ici et lutte avec moi comme le mâle dominant que tu es! Espèce d'infidèle! Que fais-tu avec mon portable? Bébé, je voulais juste t'aider à le poser. Tu m'aides à poser mon téléphone. Alors comme ça, tu es une menteuse. Tu essaies de me mentir. Parce que mon téléphone a 2 mots de passe seulement lorsque tu essaies de le débrouiller qu'il met ce son. Alors, que fais-tu avec mon téléphone? Ok, bébé, je voulais envoyer le son de Tiwa Savage, All Over, dans mon téléphone. Tu essaies de transférer All Over de Tiwa Savage dans ton téléphone. Mm-hmm. Où est ton téléphone? Hein? Il est à l'étage, je le fais par Bluetooth. Tu devrais avoir honte de toi, parce que tu essaies juste de confirmer si je te trompe ou pas, pas vrai? Et alors? Et alors? Pourquoi pas? Parfois tu ne rentres même pas à la maison. Très souvent tu reviens très tard. Aussi, tu es toujours scotché à ton téléphone. Tu ne me laisses même pas écouter tes conversations. Donc tu as le... Attends, laisse-moi terminer. Qui dans ce monde utilise 2 mots de passe? Seulement toi. Est-ce que c'est censé ça? Alors, Liliana, tu as l'audace. Tu as le courage de douter de moi, ton mari, et de m'accuser de tromperie? Ton époux. Oui. C'est clair que tu me trompes, Kelvin. Tu le fais. Et laisse-moi te dire un truc. Je suis au courant de ça. C'est juste que je ne voulais pas de confrontation. Mais Kelvin, je ris, Kelvin. Tu sembles agressive. Je te préviens. Kelvin,
si tu n'arrêtes pas avec tes tromperies, je te promets, tu vas le regretter. Tu es très très agressive. Tu es très très agressive envers ton mari. Et laisse-moi te dire que tu l'es extrêmement avec moi. Et tu peux remercier ton Dieu parce que ce n'est pas de ceux qui frappent sur leur femme. Sinon, avec elle, tu serais dans la tombe. Vraiment? Laisse-moi passer. Laisse-moi te dire un truc. Ne me trompe plus jamais. Parce que si tu le refais encore, je vais également te tromper. C'est un avertissement. Et j'espère que c'est clair. Je vais te tromper. Alors, dis-moi, comment tu vas? Ah, vraiment? Sinon, c'est quoi le programme? Ah, tu sais quoi? Je t'enverrai de l'argent, d'accord? Alors, arrête, tu sais bien que l'argent n'est pas un souci. J'en aurai encore demain matin, tu le sais, n'est-ce pas? Oui, oui, je t'enverrai du liquide pour que tu puisses booker la chambre d'hôtel et je te retrouverai là-bas. Tu sais bien que tu me manques. Tu me manques vraiment et je... Oui. Oui, oui. Non, 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 non. Je ne pense pas que ce soit normal. Tu sais quoi, envoie-moi juste un mail, oui. Tu l'as, n'est-ce pas? Ok, d'accord, mec. Bye, passe une bonne journée. Hey! Et qui était-ce exactement? Qui était qui? Oh, l'appel. C'était... Un coup de fil d'affaires. Ouais. Et tu ne pouvais pas poursuivre ta conversation avec cette personne en ma présence? Mais je l'ai fait. Et de ce fait, tu sais ce qu'on dit. Les affaires sont sacrées. Donc, c'est ça ton excuse? Pour ne pas avoir pu continuer ta conversation avec ton partenaire d'affaires? Et pour avoir raccroché à la hâte? Oh, voyons, Belinda. Pas de mépris. Et tu sais ce qu'on dit. Les affaires sont sacrées. Jason. Jason. Oui? Jason! Quoi? Combien de fois t'ai-je appelé? C'est pas vrai. Tu vois, cet aspect d'homme infidèle que tu as, ça devient incontrôlable. Et je ne trouve pas ça drôle. Oh, arrête, Belinda. Comment peux-tu m'accuser d'être infidèle? Peux-tu le prouver? Peux-tu le prouver? Ne joue pas au plus malin avec moi. Je peux ne pas avoir de preuves solides maintenant. C'est pas vrai. Mais je te connais très bien. Je sais que tu rôdes partout. Mais bientôt, aussitôt que tu ne puisses l'imaginer, je t'attraperai. Je t'attraperai également. Tu verras avec aussi. Ta grosse tête. Avec Regarde ta grosse toi. Tête. Grosse tête. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Ce n'est pas le genre de mariage que je veux pour moi. Tu dis être fatiguée? Moi, j'en suis malade. Regardez-moi. J'adore les enfants. J'aimerais porter mes enfants. Mais non, Kelvin n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt pour le mariage. Encore moins pour une vie de famille. Tout ce qu'il fait, c'est de courir après les petites filles sur Instagram, sur Snapchat et autres. Pouvez-vous imaginer ça? Ah! Écoutez, les filles, nous devons faire quelque chose et le plus rapidement possible. Parce que les choses sont en train de nous glisser entre les mains. Et croyez-moi, si nous ne faisons pas quelque chose, je suis désolée, nous perdrons nos maris au profit de ces filles de joie. C'est moins de rien. Peggy, qu'est-ce qui peut exactement être fait? Tu sais bien que les affaires dans lesquelles ils sont les poussent à nous être infidèles. Et ils s'en tirent toujours idem. Exactement. Kelvin a toujours des excuses pour tout. Des excuses pour ne pas être rentré ou pour être rentré tard. Des excuses pour ne pas avoir décroché devant moi ou des excuses pour ne pas avoir décroché mes appels. Ce sont des histoires. Écoutez, mesdames, je ne sais pas pour ce qui est de vous, je ne sais vraiment pas, mais pour moi, Peggy, je ne suis pas prête à perdre mon mari pour ces moindres rien, ces sales filles de joie. Je ne le ferai pas, ça jamais. Peggy, nous sommes toutes dans le même bateau. Aucune d'entre nous ne voudrait perdre son mari. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que nous pouvons faire à ce sujet? Écoutez, si nous voulons gagner cette bataille, nous devons leur amener la guerre. Nous devons absolument nous armer et nous tenir prêtes afin de prendre une décision. Ça a l'air intéressant, mais de quelle décision est-ce que tu parles? Parce que je suis partante. Ok, premièrement, cette affaire de rentrer tard ou de ne pas rentrer du tout devrait prendre fin. Oui. Ça semble...
Oui, parce que si nous le faisons, nous aurons résolu 80% de nos problèmes. Avec le temps, nous trouverons moyen de résoudre les 20% restants. Ça semble vraiment bien. Je veux dire, c'est une bonne idée. Tout à fait. Allez, buvons un peu. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Un toast pour lutter contre ces filles de joie. Un toast pour la revanche. À notre santé, les filles. Allô, Duran? Allô? Où est-ce que tu te trouves à cette heure de la nuit? Hein? Comment pourrais-tu te retrouver encore au bureau à cette heure? Regarde et écoute-moi très attentivement. Si tu ne reviens pas à la maison avant 23 heures, si tu n'es pas à la maison avant 23 heures, je vais fermer la porte et rien du tout. Je dis bien, rien ne me fera t'ouvrir ce portail. Même pas le diable et sa femme ne me le feront. Si tu veux... Tant que 20 clients te payent, ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Je te donne juste jusqu'à 23 heures. Si je n'ai pas là, je ferme le portail. Kelvin, pour l'amour de Dieu, d'où est-ce que tu viens à cette heure de la nuit? Tu as vu l'heure? Attends, dis-moi, de quoi ça a l'air cet endroit d'où je reviens? À cette heure de la nuit, pour l'amour de Dieu. Du travail, bien sûr. Quel travail? Kelvin, j'ai appelé à ton bureau à maintes reprises et personne n'a décroché. Tu t'attends à ce qu'ils répondent. Hein? Les mauvais esprits ou les fantômes? Parce que tu appelles quand le travail est fini. Alors, que fais-tu au bureau après les heures de fermeture? Eh bien, Liliana, je ne suis pas d'humeur pour ce genre de confrontation. Je suis revenu pour me reposer. D'accord? Kelvin, tu penses sûrement que je suis folle, stupide ou dérangée là-dedans? Écoute-moi bien, Kelvin. Tu n'iras pas à l'étage sans avoir donné de réponse à mes questions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas d'humeur pour ce genre de conversation malsaine. S'il te plaît, d'accord? Kelvin, tu traites ma question de discussion malsaine. C'est vraiment très pénible. Vraiment? Exagérément. Ok, très bien. Viens passer. Passez, va à l'étage, non? Donc si je comprends bien, ce que j'essaie de me dire, c'est que je peux plus aller à l'étage dans ma propre maison. Non, tu ne peux pas. Jusqu'à ce que tu donnes des réponses à mes questions. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est comme si tu veux que le diable t'utilise cette nuit, hein? Non, non, non. C'est toi que le diable utilise. Il ne cesse de t'utiliser depuis que tu m'as épousée. Très bien. Alors laisse-moi aller jouer un tout petit peu avec le diable dehors, d'accord? Kelvin, reviens ici. Kelvin, reviens ici. Kelvin, où est-ce que tu penses aller? Kelvin, reviens ici. Pour qui est-ce que tu me prends dans cette maison? C'est quoi ça? Suis-je muette? Suis-je inutile? Kelvin, reviens ici! Dans tous les cas, tu vas me trouver ici! Tu vas revenir me trouver ici! Jason, quel genre d'homme es-tu? Où diable es-tu à cette heure de la nuit? Belinda, détends-toi, d'accord? Je suis sur le chemin du retour. N'ouvre pas ta sale bouche pour me demander de me calmer. Est-ce l'heure à laquelle des hommes responsables et mariés rentrent auprès de leur famille? Jason, il est minuit passé. Attends. Es-tu agressive envers moi? La moindre des choses serait d'attendre que je revienne à la maison pour te rendre compte. Oh, s'il te plaît, garde tes explications débiles pour toi. Ce n'est pas comme si ça m'intéressait. Jason, tu peux raconter tes mensonges à ceux qui ne te connaissent pas. Je te connais assez bien. Attends. Belinda, es-tu en train de me traiter, moi, Jason, de menteur? Menteur? Tu es pire que ça. Tu es un infidèle. Et même encore pire que ça, d'ailleurs. Tu sais quoi? Rentre juste à la maison. Je t'aime. Jason! Il m'a raccroché au nez. Jason m'a raccroché au nez.
Et d'où diable viens-tu? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu as passé la nuit dernière dehors et tu reviens ce matin sans me donner la moindre explication. Quelle explication voudrais-tu que je te donne? Hein? Quelle explication? T'étais catégorique en disant qu'une fois qu'il est 23h que je reste où je me trouve. Que je ne revienne pas dans cette maison, que même le diable et sa femme ne pourront pas m'ouvrir le portail. Alors pour ne pas me foutre la honte, j'ai respecté ta parole, je suis resté dans mon bureau. Oh vraiment, Duran? Ouais? Alors, depuis que tu en sais tellement sur le respect, pourquoi tu ne t'es pas respecté toi-même? Ou moi, en rentrant à la maison, à la bonne heure ou avant le couvre-feu? Pourquoi? Non, 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 réponds-moi. Tu n'as vraiment rien à dire? Tu n'as pas de réponse à me donner parce que tu n'en as pas encore fini avec tes débauches. Oui, ces sales petites putes qui marchent partout et que Dieu ne manquera pas de punir. Écoute, j'ai quitté cette maison à cause de tes provocations et me voici de retour, tu me provoques encore. Donc tu appelles mon questionnement sur le fait que tu ne sois pas rentré à la maison des provocations. Non, 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 réponds-moi, Duran. Je suis maintenant une provocatrice. Tu m'appelles provocatrice, c'est ça? Non, c'est pas de ta faute. Je ne t'en veux vraiment pas, c'est pas de ta faute. Je m'en veux sérieusement de t'avoir laissé m'utiliser à tes fins dans cette maison. Je m'en veux d'avoir laissé les choses arriver à ce point. Oui, je suis fautive, pas toi. Tu sais quoi? Ça, c'est le sommet. Ça, c'est la totale. Je n'accepterai plus de telles choses. J'en ai marre. Hein? Oui. Tu sais quoi, je constate que je suis plus le bienvenu dans ma propre maison, alors je m'en vais. Hé, hey, où comptes-tu aller? Hein? Oh, tu comptes retourner chez ces sales filles? Hein? Tu comptes retourner auprès de tes sales putes, ces filles qui n'arrivent même pas à se doucher? Hein? C'est ça? Et maintenant tu as trouvé la bonne excuse pour t'enfuir. Tu peux partir. Vas-y! Duran, tu peux partir. Tu peux partir. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux plus partir? Peggy. Oui. Peggy. Oui. Peggy. Va, Duran, tu peux partir. Regardez-moi ça. Quand on parle de mari, tu vas lever la main. Je suis un mari. Mari inutile. Tu peux partir. Tu reviendras me trouver ici. Oui. Va retrouver tes sales putes qui ne savent même pas comment laver leur corps. Mari inutile. Je ne te blâme pas. Comme tu es en train de partir, c'est comme ça que tu viendras me trouver. N'importe quoi. Vous savez, Kelvin a décidé de me ridiculiser. Vous vous rendez compte que j'ai confronté ce gars pour être rentré tard? Il est parti de la maison et il est rentré où il était. Qui se comporte de la sorte? Ton cas est même mieux. Il est arrivé à la maison. J'ai appelé Jason pour lui faire des reproches du fait qu'il se trouvait encore dehors à 7h de la nuit. Devinez ce qu'il a fait. Il a démarré sa voiture et il est rentré où il était. Quoi? Au moins, les vôtres ont eu l'amabilité de rentrer à la maison. J'ai appelé Duran. Je lui ai dit qu'il devait rentrer au plus tard à 23h. Devinez quand il s'est pointé. Le lendemain matin. Et quand je lui ai demandé des explications, il est retourné dans sa voiture, il a démarré. Ça fait déjà 2 jours que je ne l'ai pas aperçu. Quoi? 2 bons jours. Quelle absurdité. 2 jours entiers? Oui. Ah, les filles... Je commence déjà à en avoir assez de toute cette histoire de mariage. J'abandonne. Quel genre d'homme traiterait sa femme de cette manière? Je veux dire, sans aucune raison valable. Allez, ce n'est pas normal. Écoutez les filles, je sais que c'est énervant, dégoûtant, frustrant et ridicule. Mais nous devons leur montrer que nous ne sommes pas des femmes faibles. Ils doivent savoir que nous ne sommes pas fragiles. C'est frustrant. En fait, je suis déjà frustrée. Mes sœurs, personne ne m'a dit que ça allait se passer comme ça. Je suis dépitée. Ah, mais les filles, est-ce que vous savez qu'on peut gagner cette bataille si on réfléchit bien? Vous le savez, comme une équipe, nous le pouvons. Nous pouvons gagner cette bataille. Rappelez-vous ceci, si vous voulez attraper une souris, vous devez non seulement réfléchir, mais agir. Peggy, ça ne semble pas si facile que tu le dis. Vous avez accepté d'agir? Qui est une souris ici? S'il te plaît, je suis fatiguée. Allez, s'il te plaît. Ce n'est pas aussi facile que tu sembles le croire.
Salut, mon bébé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voyons, ne sois pas si dur avec ta femme. Comme tu peux le constater, je suis très occupée. Alors, s'il te plaît. Je le sais, mais je ne suis pas ici pour te déranger. Alors, tu veux quoi? Je suis venue m'excuser pour toutes ces choses méchantes que je t'ai dites. Je te jure que je ne pensais rien de tout ça. Vraiment. Chérie, je t'en prie. Après tout le cinéma que t'as fait. Je suis désolée. Je ne pensais pas tout ce que je t'ai dit. Tu sais, c'est parce que je t'aime beaucoup. Et cela m'amène à être inquiète et jalouse, même quand il ne le faut pas. Bébé, je suis désolée. Mais tu sais que tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour nous. Je le fais pour prendre soin de toi. Je sais, c'est pour ça que je te dis que je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mon amour, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui me prouve que tu l'es vraiment? Je le suis vraiment. À quel point? Je suis vraiment désolée. Veux-tu que je te montre à Entre quel moi. Point je le suis? Tu le veux? Tu es sûre que tu le veux vraiment? Chérie! Bébé, le repas est servi. Je ne pense pas vouloir manger ta nourriture aujourd'hui. Ah ah, chérie, ça fait des jours que tu ne manges pas dans cette maison. Eh bien, alors donne-moi une raison pour laquelle je devrais manger ta nourriture. Hein? Quand tu es même capable de me donner la simple paix, c'est maintenant la nourriture que j'achète avec mon propre argent que tu veux me donner. Hein? Donne-moi une raison de manger ta nourriture. Bébé, tu es toujours fâché contre moi? Allez, voyons. Tu sais que tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime et je ne veux pas te perdre. Et tu penses vraiment que c'est en me provoquant dans toute la maison quand je rentre tard de mon dur labeur qu'une manière de me prouver ton affection? Non, 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 bébé. Je ne pensais pas comme ça. J'étais simplement jalouse. Écoute, tu sais, parfois quand tu ne reviens pas à la maison, ou que tu reviens tard, ou que tu ne décroches pas mes appels, ça me rend très anxieuse. Tu sais que nos cerveaux sont truqués. Ils nous donnent des informations sur des choses que vous n'êtes même pas en train de faire. Je suis désolée. Et selon toi, tu penses que c'est la meilleure façon d'agir? Hein? Mais du tout, d'ailleurs, tu dois même me dire quelque chose. Parce que la façon dont tu m'as parlé la dernière fois qu'on... Allez! M'a vraiment laissé un mauvais goût. Et ça, je dois te le dire. Ma bouche est toujours amère. Allez, non, bébé. Dis-moi. Écoute, bébé, je sais que j'y vais un peu fort parfois. Mais tu dois aussi comprendre que je suis une femme. Et les femmes sont très sensibles. Parfois, ces émotions se mélangent et font ressortir le pire d'entre nous quand il y a un malentendu. Ce n'est pas comme si je voulais heurter mon mari. Je suis désolée. Tu es une femme très égoïste. Oh. Et c'est maintenant que je remarque que tu es une femme vraiment très égoïste. Et c'est moi qui suis sans cœur. C'est moi qui n'éprouve pas de sentiments, n'est-ce pas? Hein? Quand je me traite de tous ces noms à longueur de journée, ne penses-tu pas que ça affecte mon ressenti? Récemment, tu m'as traité d'infidèle. Tu m'as traité de chat. Tu m'as traité de chien. Tu m'as même traité de singe la dernière fois. Ah, chérie, je ne sais pas traiter de singe. Tu m'as traité de singe. Hein? Et moi, je suis dehors à charbonner. À essayer de faire pour que les choses marchent pour nous dans cette maison. Tu n'es pas contente quand tu mets du fond de terre sur ton visage tandis que tes égards sont là-bas dehors en train de mettre de la poudre et de la graisse sur les leurs. De la tête. Je suis désolée, bébé. Ton odeur, ta façon de te vêtir, ta façon de manger. Hein? Tu ne vois pas ça? Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais dans cette maison, je te le promets. Pardonne-moi, d'accord? S'il te plaît, bébé, tu sais que je t'aime. Viens manger le repas que ta femme a cuisiné. J'ai fait ton plat préféré. Allez, j'ai fait de la sauce pistache. Est-ce que c'est bon? Bébé, tu sais que c'est toujours bon. Fais-moi confiance, je t'ai fait de la sauce pistache. Parce que c'est que tu t'es en colère quand tu cuisinais ce repas, donc je sais pas si tu as ajouté des remèdes de rat dedans pour ça ne me tue. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? C'est vrai. Bébé, tu as mis le remède de rat dans ton tube à lèvres, ça je l'ai vu la dernière fois. Je ne suis pas ce genre de femme. Ah, bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Laisse-moi juste répondre à ce message et ensuite je te rejoins. D'accord. Bébé, s'il te plaît, ça fait un bout que je te supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Vraiment? Ta façon de parler semble aussi simple, donc je devrais te pardonner aussi facilement, n'est-ce pas? Bébé, je sais que ce n'est pas si simple. C'est pour ça que je te supplie. Mais essaye d'y penser. Si je ne te pose pas de problème, qui le fera? Mes toutes petites filles, comme tu les appelles. Oh. Allez, chérie. Je sais que tu ne me trompes pas. Je t'aime tellement, bébé. J'étais simplement jalouse, c'est tout.
Je te promets que ça n'arrivera plus, c'est promis. Écoute-moi, ma chérie. La seule raison pour laquelle je pourrais laisser ça passer serait que tu me promettes que ça ne se reproduira plus jamais. Bébé, je te le jure. Je te le jure, ok, je croise mes mains. Ça n'arrivera plus jamais. Je te le promets, je suis désolée. Je suis désolée. D'accord, c'est bon. Allez, viens. Merci, trésor, merci. Mais chérie, pourquoi est-ce que tu le fais toujours? Mais tu me connais assez. Et toi aussi, pourquoi tu fais toujours mais ça? Mais bébé, tu sais que je travaille dur pour nous. Bébé, je sais. Je sais, mais tu me manquais tellement, je suis désolée. T'en es sûre? Refais-le encore. Refais-le encore. Bébé. Tu es sûre que tu es désolée? Tu veux me le prouver? Allons à l'étage, je te montrerai que je suis jalouse. Je pouvais pas supporter voir une jolie fille comme toi s'éteindre au milieu de la route, alors je me propose. Est-ce que je peux te déposer où que tu ailles? Écoute, je l'apprécie sincèrement, mais je ne peux pas y aller avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai commandé un taxi et il sera là d'une minute à une autre. Mais j'insiste, d'accord, je te dépose où que tu ailles. Ça ne me dérange pas, allez. Écoute, j'apprécie vraiment ton geste, mais si je n'avais pas encore appelé un taxi, j'aurais été ravie de partir avec toi. Ok, bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas appeler ce taxi pour que je paye sa course, son heure de course, peu importe le montant, et comme ça, je t'amène où que tu veux. Tu ne lâches pas l'affaire, c'est ça? Pas aujourd'hui. D'accord. Super. Salut, Durand, c'est mon nom. Tasha, ravi de te connaître. Ravi aussi. Viens. Merci de m'avoir accompagné. Je t'en prie, le plaisir était pour moi. Ouais, c'est ça, j'arrive. T'inquiète pas. Hey! Mais quel beauté, bon sang. Salut, bébé. Bébé, puis-je m'entretenir avec toi une seconde? La seconde est passée, alors ton temps est écroulé. Alors, une minute de plus? Croche-toi! Je suis vraiment désolé. C'était une erreur. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas une erreur. C'était juste un moyen d'attirer mon attention. Maintenant que tu l'as, qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, tu es vraiment très futé. En tout cas, je tiens juste à te déposer.
Peu importe l'endroit où tu vas, d'accord? Même si c'est dans un autre pays, je t'y conduirai. Dis-le juste. En passant, je m'appelle Kelvin. Est-ce que ta voiture a la clim? Ma voiture? Bien sûr que ma voiture a tout ce que tu veux, bébé. Même si tu souhaites que je laisse cesser pour apporter une voiture beaucoup plus grande pour te conduire, je le ferai pour toi, bébé. Très bien. Super, allez, viens. Viens, viens, viens. Tiens. Hey! Quel bébé. Bébé, tu es bien installé, j'espère. Ha! Mon Dieu, quelle merveille. Hey! Un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Allez, on y va. Bébé, écoute, tu sais, je tiens juste à m'excuser pour le désagrément que je t'ai causé tout à l'heure. C'était vraiment pas bien. C'était pas intentionnel. Je voulais juste... Voilà, j'étais prêt à tout, absolument tout, pour attirer ton attention. Voilà. Tu étais prêt à faire n'importe quoi, y compris me casser le pied. Oui, mais ce n'était pas de cette manière, d'accord? Je savais que je n'allais pas te rouler dessus, parce que c'est des choses qu'on voit dans les films de Nollywood. Hein? Et maintenant que j'ai cette attention, regarde-moi. Ne suis-je pas content? Et pourquoi ça? Mais regarde-toi. Présentement, j'ai la plus belle, la plus élégante et la femme la plus sexy du monde assise dans ma voiture à côté de moi. Arrête, arrête ça. Je suis béni. Hey. Mais que puisse faire pour te rendre heureuse, hein? Dis-le juste, d'accord, hein? Est-ce les vêtements que tu veux? Est-ce les sacs? Est-ce les cheveux? Si c'est les cheveux, je t'en achèterai 500 pièces. J'achèterai ça pour toi. Je n'en ai vraiment pas besoin. Je veux juste être heureuse. Eh bien, tu es au bon endroit. Hein? Regarde-moi, je suis Monsieur Bonheur. Suis-moi juste pour le dîner. Et une fois que j'aurai terminé avec toi, tu m'appelleras sans arrêt. Quoi? Bébé, je te l'ai dit, tu m'appelleras sans relâche. Sérieux? Alex, ton visage, on dirait que tu veux dire non. Hein? Je vais m'agenouiller et te faire des prières ici. Hein. Écoute, je n'ai pas honte. J'ai de l'argent. Je suis sans gêne. Ah, tu n'en as pas besoin. Pas besoin. J'espère que c'est un oui. Je vais te suivre. Hey. Seigneur, tes cuisses. Elles sont douces comme la soie. Ah, je te verrai plus tard. Hey. Seigneur, tes cuisses. Tasha, pourquoi m'appelles-tu à cette heure de la nuit? Oh, voyons, je n'ai pas dit ça. Je voulais dire que je dormais quand tu m'as appelé. Je te manque. Tu me manques aussi. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Demain matin, je t'enverrai de l'argent dans ton compte pour que tu ailles régler cette chambre d'hôtel. Oui, oui, je viendrai dans ta chambre plus tard. D'accord. Oui, oui. À plus tard. Je lui manque. Ou alors c'est mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je ne peux pas le faire. Quoi? Tu peux pas faire quoi? Pourquoi? Je ne suis pas à l'aise. Je veux dire, je te connais pas, je sais pas où tu vis, je ne sais rien de toi. Mais bébé, tu peux me demander tout ce que tu veux. Et je te le dirai tout de suite, là, maintenant. Écoute, même si nous devons faire quelque chose, ce ne sera pas aujourd'hui. Je ne peux pas. Je suis désolée. Bébé, dans la chambre, c'est beaucoup mieux. Oui. Non, chérie. En fait, je vois mes règles. On ne peut pas. T'es pas sérieuse? Je suis sérieuse. C'est pas une question de suis vraiment en charge. Bébé, ce n'est pas de ma faute.
Il y a vraiment rien que tu puisses faire, hein? Peut-être le laver. Non. Hein? Je veux dire, écoute, on le ferait une autre fois. Est-ce que ça coule déjà? Oui. Peut-être c'est vraiment une érection. Ça va. Hey. Tu pourrais même m'embrasser. Viens, il y a manière que nous puissions le faire. On va travailler dessus, d'accord? Non. Écoute, je ne peux pas. La prochaine fois sera la bonne et puis c'est pas de ma faute s'y arriver. Désolée. Ça coule déjà? Oui. Alors dis-moi, quelle direction est-ce que je prends? Par ici. Ah, je vais de ce côté. De petite maison. Tu sais, je peux t'offrir mieux. Car j'ai vraiment beaucoup d'argent. Bébé, tu dois changer d'humeur. Écoute, ce n'est pas de ma faute que ma période soit arrivée. Je veux dire, quand ce sera terminé, nous passerons du bon temps ensemble. D'accord, je sais que c'est pas ta faute que ce soit arrivé. Toutes ces choses arrivent à toutes les femmes, tu sais. Ça veut dire que tu es féconde. Tu sais. Mais bon, après, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Bébé, écoute, ce n'est que 5 jours. 5 jours et ce sera terminé. Et la période a commencé aujourd'hui ou bien hier? Et ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui? Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il reste plus que 4 jours, c'est ça? Oui, il reste 4 jours. Ok, alors si je compte bien, ça fait demain, après demain. Ben, alors on se verra dans 4 jours, c'est bien ça? Hein? D'accord. 4 jours. Ok, pas de problème. J'étais prêt à te rentrer dedans comme un dragon. Tu n'as encore rien vu. Je sais, mon chéri, ne t'inquiète pas. Juste 4 jours de plus. L'argent que je t'ai donné sera suffisant? Oh oui. D'accord. Les filles, mais qu'est-ce qui la retarde? Justement, elle devrait déjà être là. Détendez-vous, les filles. Donnez-lui juste quelques minutes et elle sera là. En attendant, vous pouvez boire. Je sais que vous êtes impatientes. Je suis fatiguée. C'est pas normal. Salut, les filles. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. J'essaie juste de mettre de l'ordre. Ok. Ok, comment ça s'est passé? As-tu bien joué le jeu? Tout s'est exactement passé comme prévu. Fais voir. Ok. Quoi? Je vais tuer Kelvin. J'arrive pas à le croire. Regardez celui de Doran. Pouvez-vous? Regarde. C'est bon. J'en ai assez vu. Ah, c'est bon. C'est pas croyable. Tu sais quoi? Merci. Merci infiniment pour ça. C'est exactement ce qu'on voulait. Je n'arrive pas à le croire, oh mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire, c'est génial. Tout ce dont vous aurez besoin se trouve ici. Bien. Alors prends-la. Merci. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était intéressant de faire affaire avec toi. Pareillement, j'espère sincèrement vous revoir très bientôt. Pardon? Il n'y aura pas de prochaine fois. Rappelle-toi, on ne s'est jamais rencontrés. On ne se connaît pas. Exactement. Oui, je souhaite que nous ne l'ayons jamais fait. S'il te plaît, ne l'oublie pas. On ne s'est jamais rencontrés. Ok. Les filles. Ce que nous avons ici, c'est ce dont nous avions besoin. Ceci mettra nos maris à la bonne place, exactement où nous voulions qu'ils soient. Et ceci leur fera sujet de notre juridiction. Alors les filles, vous êtes prêtes à ce jeu? Je suis toute excitée à cette idée. Un peu de patience, j'ai vraiment les filles. D'être à la soyez patiente. Que va-t-il se passer? Je vous assure que c'est ce qu'on appelle le succès.
Calvin, est-ce que tu peux être assez audacieux pour m'expliquer ça? Je veux dire, c'est quelle manière de me manquer de respect ça? C'est quelle foutaise ça, Calvin? Bébé, c'est toute la vidéo ou bien... C'est la première chose que tu trouves à dire? C'est quelle question de déplacer ça? Je te montre une vidéo de toi essayant de coucher avec une autre femme et tu me poses cette question insensée? Parce que ce que tu veux juste te dire là est une tentative et ce que tu veux juste me montrer, l'air aussi... Est-ce que tu te fiches de moi? Sale fils de pute! Méchant homme! C'est quel genre d'homme ça, Seigneur? C'est quelle foutaise ça? Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Écoute bébé, je suis désolé, d'accord? Je suis vraiment désolé. Je pense que tu le prends de la mauvaise manière. Parce que c'est pas ce que je pensais. Ce que je veux dire, c'est que... c'est le travail du diable, tu vois. Tu sais, je remercie Dieu d'être lui. Tais-toi! C'est quoi la différence? Le fait que tu apparaisses sur la vidéo avec elle? Ou le fait que vous ayez presque couché ensemble? Si elle n'était pas en période, tu aurais quand même couché avec elle. Bébé, écoute, ce n'est pas... Oui, tu aurais couché avec elle. Je te souhaite que t'arrives pendant sa période. Je te jure, cette fille est une vraie sirène. Seigneur. C'est une pure esprit des eaux. Honnêtement, si tu vois cette fille venir vers toi, tu vas croire qu'elle marche carrément. Ça, je te le dis. Honnêtement, tu comprends? Et cette fille ne cesse de me tenter, Et moi, tout ce que je peux faire, c'est de remercier Dieu d'être intervenu, d'avoir arrêté cette relation. Tais-toi! Calvin, tu m'as déçu. Comment as-tu pu tomber aussi bas? Avec une fille vulgaire? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Qu'est-ce que tu veux? Ne suis-je pas assez bien? Bébé, écoute. Ne le suis-je pas? Réponds-moi. Tu es très bien. Tu l'es vraiment. Hein? Je t'ai pas trompé. Je ne peux pas te tromper dans cette vie. Ça, je te le jure. De toute ma vie, depuis le jour que je t'ai rencontré, je ne t'ai jamais trompé, tu peux me croire. Je ne pourrai jamais. Ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Hein? Bébé, regarde-moi. Hein? Écoute. Je suis désolé, bébé. C'est juste que tu... Calvin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout rien. Ça? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Qu'est-ce que tu recherches? Je veux dire, je fais tout pour toi. Écoute, bébé, je suis désolé. C'est le travail du diable. Je n'ai pas prévu de faire de telles choses, tu sais. Écoute, je ne peux pas te tromper. Hein? Tu es ma seule et mon unique, tu sais. Tout ce que je fais, c'est... Tout ce mal que je me donne, c'est pour toi. Pour que tu puisses être heureuse. Je ne pourrai te pardonner qu'à une seule condition. Quelle condition? Dis-le. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Que tu ne reviendras plus jamais tard et que tu dormiras toujours à la maison. Je le ferai pour toi. Aussi longtemps que ça te rendra heureuse. Une promesse est une promesse. Oui, je te le promets. Je rentrerai tôt et je ne dormirai plus dehors. Une promesse est une promesse. Je t'aime, tu sais. De tout cette monde dure, essaie juste de gâcher les choses. Jason, tu ne connais pas vraiment l'impact qu'ont les actes que tu poses. Mais celui-ci est totalement inacceptable. Non, non. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ne prends pas de décision quand tu es en colère, je t'en prie. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, je ne le suis pas. Jesse, tu as traîné mon nom dans la boue. Tu m'as pratiquement embarrassé. Maintenant, donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais te pardonner. Écoute, je suis un être humain et je peux faire des erreurs. Et tu peux prendre en compte le fait que rien n'allait se passer. Mais ça allait arriver. Tu étais prêt pour ça. Ne l'étais-tu pas? Chérie, écoute. Je te promets que rien de ceci n'arrivera plus jamais. Rien. Je te le jure devant Dieu. Je t'en prie. Jason, je te faisais confiance. Tu sais à quel point je t'aime. Je pouvais perdre ma vie pour toi. Et qu'ai-je eu en retour? Tu me trompes tout le temps et tu me mens. Laisse-moi tranquille. Bébé, s'il te plaît, je ferai tout ce qu'il faudra pour te le prouver. Tout ce qu'il faudra. Dis-le juste peu importe ce que c'est. Je ne sais même pas ce que je fais encore ici. Mais non, je veux partir. Chérie, je t'en prie. Je m'en aller. Bébé, s'il te plaît, je suis fatiguée. Je suis désolée. Je le suis vraiment. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Je suis fatiguée. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît,
Je t'en prie, tu es ma vie. Tu me donnes mes choix. J'ai juste été stupide et j'en suis navré. J'en assume totalement tous les torts. Je le fais. Oui, c'est vrai, je me suis laissé entraîner dans une merde. Je m'excuse. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Comment être sûr que ça n'arrivera plus? Jamais, jamais, plus jamais. C'est ce que tu dis à chaque fois. Écoute, chérie, peu importe ce que ça prendra, dis-le-moi juste. Je serai à la maison toute la journée. Je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment tout. Vas-y, dis-le-moi. Je t'en prie. Duran, qu'est-ce que c'est pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est quoi ça? Comment as-tu pu? Écoute, Doran, j'ai assez toléré tes conneries. J'ai accepté ton venant de toi, mais je ne laisserai pas passer ça. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tant d'humiliation et de moquerie de ta part? Dis-moi. Pitié, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis désolé. Je sais que j'ai pas eu le bon numéro et je sais que j'ai fait tellement de choses que t'as pas apprécié. Mais celle-ci, je te le jure, c'est la plus grosse erreur de toute ma vie. Je pouvais ne pas coucher avec elle, s'il te plaît. Je suis désolé. Tu as couché avec elle? Oui, je suis vraiment désolé. Je te promets, si tu me pardonnes, je vais jamais, plus jamais, plus jamais te tromper, s'il te plaît. Je t'aime tellement, s'il te plaît. Attends. Tu es en train de me dire que tu as bel et bien couché avec cette fille? Non, bébé, s'il te plaît, c'est pour ça que je te présente mes excuses. Je t'en prie, c'est pas la meilleure chose que j'aurais dû faire. Je t'en prie. Tu sais que coucher avec cette fille signifie que tu m'as trompé et que cela est très mauvais, oui, n'est-ce pas? Oui, je suis vraiment désolé, ça n'arrivera plus. Écoute, la première fois, c'était pas arrivé et j'étais vraiment fier de ça. Elle m'a rappelé pour la deuxième fois, elle m'a séduit et je... C'est à ce moment-là que j'ai cédé. Je t'en prie, ça n'arrivera plus. Donc tu as osé coucher avec elle? Tu as couché avec elle? Non, ce n'est pas en train de m'arriver. Tu m'as semblé très inquiète. Tout va bien? À coup sûr, je vous assure que tout ne va pas bien. Cette traînée s'est jouée de nous. Elle a osé coucher avec nos maris. Quoi? Oui. Comment? Parce que ce qu'elle nous a montré n'en avait du tout pas l'air. Comment est-ce qu'elle s'est jouée de nous? Ma vidéo n'avait rien de tout ça. Ou alors... La tienne était différente. C'est tout simplement parce que la traînée nous a montré ce qu'elle voulait qu'on voie. Elle est allée dans nos dos. Elle a couché avec nos maris. C'était ça son plan. Ah. Non. Non. Peggy, comment est-ce que tu as découvert cela? Ok, quand j'ai montré la vidéo à Duran, il avait honte de lui, il était dévasté. Il n'a même pas eu le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et il m'a dit qu'il est désolé, qu'il s'excuse de m'avoir trompée. Et il m'a particulièrement dit qu'il est désolé d'avoir couché avec cette sale chose. Pouvez-vous l'imaginer? Ah, attends, je suis confuse là. Comment est-ce que nos maris n'ont pas été mêlés à ce même acte? Ça c'est certainement parce que vos maris ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et ils n'ont vu nulle part où ils ont couché avec la fille, dont il n'y avait pas de quoi s'excuser. Oh, oui. C'est exact. Vous savez, quand j'ai montré la vidéo à Kelvin, il a perdu ses moyens d'homme. Il est resté humble jusqu'à la fin de la vidéo et m'a demandé si c'est tout ce que j'avais. À ce moment, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Après, il m'a dit que de toutes les façons, il n'avait pas couché avec la fille. Ok, maintenant je peux relier les choses. Cette fille s'est jouée de nous. Elle l'a fait. Cette moins que rien s'est jouée de nous. Selon Duran, la première tentative a échoué, mais la traînée les a rappelés. Et c'est elle qui est repartie vers eux. Non seulement elle est retournée, mais elle a couché avec eux. Alors, elle était à leur trousse pour le sexe et l'argent. Attends un peu. Tu veux dire que cette sale traînée a couché avec mon Jason? Oui. Cette traînée, cette bourreuse de crâne, cette fille de rue a couché avec nos maris. Pas seulement avec ton Jason,
Vous ne lui avez pas dit à quel genre de personne elle s'en prenait? Si j'attrape cette fille, je vais la tuer. Je vais complètement casser tous ses petits pieds. Oh, pouvez-vous imaginer? Mais nous lui avons payé tout son argent. Oh, mon Dieu. Vous savez quoi? Nous devons saisir cette fille. Genre maintenant, nous devons organiser une rencontre. Le plus tôt possible. Ce n'est pas croyable. C'est pas possible. Oh, je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu nous faire ça. Qu'est-ce que tu attendais d'une fille d'Instagram? Hey. Salut bébé. Ok, pourquoi est-ce que tu sifflotes? Qu'est-ce qui te rend aussi joyeux? Ok. À quoi est due cette agitation? Découvre toi-même. Tu sais ce que t'avais aujourd'hui? Quoi? Je roulais sur l'autoroute. À une vitesse de 100 km par heure. Et j'ai aperçu une boutique. Une fabuleuse boutique. Et à l'intérieur se trouvait un magnifique vêtement. Puis je me suis dit, Kelvin, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur de cette boutique et faire une gâterie à ta femme? Et je me suis rendu à l'intérieur pour prendre ce magnifique vêtement pour mon incroyable épouse. Regarde là, je n'ai pas payé en Naira. J'ai payé en livre, en espèces. Je n'ai même pas besoin d'utiliser ma carte bancaire. J'ai payé en livre sterling, devises étrangères. C'est une tenue très coûteuse, tu peux Bébé, me croire. C'est très joli. C'est très joli. Je t'en je prie. L'adore. Bébé, écoute, je vais te dire un truc. Merci. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vois cette tenue? Va avec à l'étage. Après t'être touché, tu l'enfiles. Et tu mets juste un peu de rouge à lèvres pour moi. Et puis descends. Je vais t'amener dîner. Laisse-moi te choyer. Je suis la chinois. Chinois? Bien sûr. D'accord, chérie. Dans une minute. Bébé, ne fais pas une minute, c'est très peu. C'est un vêtement coûteux. Prends ton temps. Hein? Il est vraiment dérangé, cet homme. Bébé, écoute, aujourd'hui, nous sommes copains, copines et non mari et femme, d'accord? Prends ton temps. Et voici ma magnifique épouse. Viens faire un bisou à ton chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes de la sorte? Tu es sûr que tout va bien? Je comprends pas. Tu n'es presque jamais à la maison à cette heure. Ah oui, j'ai terminé au bureau. J'ai décidé de rentrer pour passer du temps avec toi. Il n'est juste que 17h30. Ouais, mais comme je te l'ai dit, j'ai terminé. Et j'ai décidé de rentrer. Dois-je retourner au bureau? Non. Je demandais juste. Okay. Juste une question. Je peux simplement repartir. Non. Eh ben, j'y vais. Non. C'est ça, peut-être que je devrais repartir. Non, je demandais juste. T'en es sûr? D'accord. Fais-moi un câlin. Qu'as-tu cuisiné? Ouf, j'ai faim. Hey, ma reine. Hey, tu es rentrée? Comment tu vas? Embrasse-moi. Je vois ça. Tu es incroyable. Merci. Oui, à propos de ce dont on a parlé l'année dernière, ah, tu veux oui. faire du shopping? Oh oui. Oui, désolé, mais je ne pourrais pas t'accompagner. Alors tu peux t'amuser un week-end. Merci. Alors, combien dois-je dépenser? Tu je ne voudrais pas que tu te fâches après. L'argent n'est pas un problème. Ooh, est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a de nouveau tous les matins. Oui, c'est ce qu'on que dit. Que j'aille au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Bye. Je t'aimais du rouge à lèvres. Alors, tu me vois. D'accord. Bye. Allons faire du shopping. Sale traînée, je te cherche partout. Donc, tu as eu l'audace de coucher avec mon mari? Excuse-moi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu râles? J'ai fait absolument tout ce qui était à mon pouvoir pour que vos maris restent à la maison.
Coucher avec mon mari ne faisait pas partie du plan, idiote. Eh bien, disons tout juste que j'ai un tout petit peu changé la donne. Pour vous favoriser et me favoriser également. Alors, d'après ce que je vois, c'est tout à votre avantage. Vos maris rentrent à la maison à temps. Ils vous font sortir. Ils vous offrent des cadeaux. Ils vous donnent de l'argent. Alors pourquoi est-ce que tu te plains? Écoute, tu vas faire ceci, ok? Tu vas dire à tes amis que j'ai besoin de 3 millions de Naira avant 24 heures. Quoi? Attends. Pardon? Si tu ne le fais pas, je suis sûre que tu sais déjà ce qui va se passer. Je vais dire toute la vérité à vos maris. Où diable voudrais-tu qu'on trouve cet argent? Hein? Tu te fous de moi? Va le chercher au bon te semble. Mais trouve-moi 3 millions de Naira avant 24 heures. Sinon, le reste ne sera que des fables. J'espère que tu le sais déjà. Bye bye. Qu'est-ce que tu es en train de... Elle se fout de moi? Comment ose-t-elle qu'elle toupait cette traînée? Je n'arrive pas à y croire. L'abonné que vous essayez de joindre est disponible pour le moment. Réessayez plus tard. Je n'arrive pas à y croire. Elle se fout de moi? Voyons, Peggy, tu dois vraiment arrêter de tourner en rond. Assieds-toi, pense à quelque chose de positif. Parce que moi, je ne veux pas que quelque chose mette mon mariage en péril. Surtout pas maintenant que nous sommes de nouveau heureuses. Nous sommes de nouveau réunies. Assieds-toi et pense à quelque chose. Et arrête de tourner en rond. Ah, ça n'apportera rien de bon. Vous savez, Jason se comporte bien maintenant. Il rentre tôt à la maison. Il est parfaitement galant. Je veux dire, il m'invite à sortir. Et il m'achète des cadeaux. Je ne veux pas que ça prenne fin. Ok, les filles. Si vous souhaitez que tout ceci s'arrête, comme vous le clamez tout, vous devez parler moins et réfléchir comme je suis en train de le faire. J'ai pensé à tous les aspects positifs. Ils sont tous négatifs, mis à part un. Qu'est-ce que c'est? Lui donner l'argent. Oui, c'est la seule solution pour nous sortir de ce pétrin. Mais comment lui donner cette somme d'argent? Je veux dire, pourquoi? Pour que la paix règne. Pour mettre en sécurité nos vies, nos futurs et nos mariages. D'accord. Dites-moi un truc. Comment pensez-vous que nos maris se sentiront ou réagiront s'ils venaient apprendre que tout ceci venait en fait de nous? Avez-vous pensé à cela? Hein? Ok, je vous en prie. Je ne voudrais pas que Calvin me mette dehors. Trouvons simplement moyen d'avoir cet argent, n'importe comment, pour la solder. Hein? Tu ne dis rien? Je pense que nous devons trouver cet argent le plus rapidement possible, le lui donner. Mais nous ne devons pas éveiller des soupçons. En effet. Oui, alors, qui est-ce? Qui est-ce? Alors, je m'appelle Tasha. Je suppose que vos femmes vous ont montré les vidéos. Traînée. Petite sorcière. Hmm? Attends, on attend que je te dise quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Hein? Si je t'attrape, je vais faire de ta vie un enfer. Va te renseigner. Hmm? Tu peux aller te renseigner. Écoute, petit. Si j'étais toi, je n'aurais pas été aussi cruel avec une femme qui détient autant d'informations sur moi. Des informations qui pourraient en fait détruire ton couple. La boucle! La boucle! Écoute très bien ce que je vais te dire. Tu ferais mieux de laisser ma famille en dehors de tes conneries. D'accord, écoute. Comment penses-tu que Liliane se sentirait?
si je lui montre une partie de notre plaisir. Attends, Tasha, tu peux me dire ce que t'as vraiment fait dans ce vie, hein? Pourquoi es-tu cruel envers moi? Eh bien, je ne l'aurais pas été. Tout dépend de toi, bien sûr. Tu es prêt à jouer à ce jeu avec moi. Dis-moi, que veux-tu? Très bien. Je veux 1 million de naira dans mon compte en moins de 24 heures. Mon Dieu. Tasha, où penses-tu que je vais trouver cette somme d'argent? Hein? Où vais-je trouver cette somme d'argent maintenant? Écoute, 1 million de naira dans mon compte dans moins de 24 heures. Sinon, ça, c'est si tu veux que ta famille soit en paix. D'accord? Allô? Hey, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Non, c'est bon. Ce n'est pas grave. C'est bon. Ok. Ok, voici l'argent que tu m'as demandé de t'apporter. Merci. C'est intéressant de faire affaire avec toi. Écoute, Tasha, écoute. J'ai respecté ma part du marché. Peux-tu faire pareil? Tasha, je suis sérieux. Il y a quelques conneries que je peux accepter de toi. Mais celle-ci n'en est certainement pas une. Comment oses-tu? Ne me tente pas, Tasha. N'ose pas. Parce que si tu essayes, je vais venir te chercher et te saisir comme l'insecte que tu es. Mes amis et moi ne te donnerons plus un centime de plus. C'est impossible. Même pas un centime. Nous avions un arrangement. Nous t'avons dit précisément ce que tu devais faire. Mais tu es allé derrière nos dos et tu as couché avec nos maris. Et tu as même perçu de l'argent venant d'eux. Maintenant, tu reviens en nous demandant de l'argent. Qui est-ce qui fait ça? Comment oses-tu? Je ne te donnerai pas un centime, tu m'as compris? Je ne te donnerai... Tasha, n'ose même pas... Elle vient de me raccrocher au nez. Sale traînée, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je ne laisserai rien, je ne laisserai pas cette chose se mettre au travers de mon bonheur, je ne le ferai pas. Même s'il faille que je fasse l'irréparable. Quoi? Les filles, cette fille se joue de nous. Le plus tôt nous mettrons fin à cette mascarade, le mieux ce sera pour nous. Tout ce que je dis, c'est que nous devons donner cet argent à cette fille. Là, nous vivrons en paix. Ah! Nous ne lui donnerons pas un centime, nous ne le ferons pas. Si par hasard on le lui donne, elle reviendra. Elle veut nous utiliser comme cette étiquette d'argent. C'est vrai? Alors maintenant, qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu le disais, on doit mettre en terme à ça le plus tôt possible. Mais en attendant... Regardez, écoutez. Salut. Salut. Comme je l'ai dit, j'ai besoin que tu me fasses le bon travail sans laisser aucune trace. Allez, je sais que tu peux toujours compter sur nous. Et de ce quoi nous sommes les meilleurs à ce jeu. C'est vrai, je ne saurais douter de vous. Déjà, vous avez la moitié de votre argent. Une fois le travail terminé, vous aurez le reste. Bien sûr. Très bien, on se verra de l'autre côté. Bye. Qui est-ce?
Qui est là? Avance! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! La ferme! Et fais ta dernière prière! Ah, je suis désolée! Vas-y! Ah, s'il te plaît, nous pourrons résoudre cette histoire de façon prémature. Je veux dire, tu n'as pas besoin de le faire. Je peux te donner tout ça. Écoute, je peux même le faire 2-3 fois. Quel que soit le montant qu'ils t'ont payé, s'il te plaît, ne le fais pas. Alors, je t'ai appelé ici parce que je veux que tu travailles pour moi. Tu peux me dire ce que tu veux concrètement? C'est facile. Je veux que tu traces les gens qui t'ont envoyé pour venir me tuer. Je veux leur faire comprendre que je peux mieux jouer à ce jeu plus qu'ils ne le font. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais travailler pour toi? Je coûte cher, tu sais. Oui, je sais. Mais écoute, je veux dire, je détiens ce paiement ultime que n'importe n'importe quel homme voudrait. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je veux dire... Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Ne me demande pas de me calmer, car je suis très en colère. Car une fois fait, c'est toi qui as commencé avec des paroles douces. Tu vois Peggy? Tu vois Peggy? J'en ai terminé avec elle. Elle fout le compte chez moi, c'est terminé. Doran, que s'est-il réellement passé entre vous? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Tu peux t'imaginer que Peggy a l'audace, ma femme a le toupet, d'embaucher une petite fille pour me séduire. Elle m'a tout avoué. Absolument tout. Non. Non, ceci ne peut pas nous arriver tous les trois au même moment. Non! Attends. As-tu dit non? Oui. Il m'arrive la même chose chez moi. En fait, elle m'a dit que ma femme lui a dit qu'elle aimerait que je fasse d'elle mon héritière. Et une fois mort, elle héritera de tout ce que je possède. Dieu merci que vous soyez là! Dieu merci que vous soyez là! Je jure au nom de Dieu! Je jure au nom de Dieu que je vais tuer cette fille qu'on appelle Liliane! Je jure au nom de Dieu! Elle va passer de chez moi! Kelvin, vous rendez compte? Calme-toi! Non! Vous vous rendez compte? Calme-toi! Cette fille est allée collaborer avec une vulgaire prostituée pour coucher avec moi! Pour coucher avec moi! Elle pourra faire de moi tout ce qu'elle veut! N'essaie même pas de m'arrêter parce que je vais commettre un meurtre! Je vais commettre un crime! Je le jure au nom de Dieu! C'est quelle connerie ça? On dirait que ces filles avaient tout planifié. Elle s'appelle Tasha! Wow! Tasha? Ma copine, Tasha? Quoi? La mienne s'appelle Tasha aussi. Attendez, ce soir que je pense est différent. N'êtes pas sûr que ces filles ont manigancé toute cette affaire de mariage? Comme ça, elles ont le temps de tout planifier. Et ensuite, nous faire tomber. Les gars, les joueurs viennent de se faire duper. C'est bon, c'en est fait. Peggy ne passera plus une minute chez moi. Poussez de l'hélène. Kelvin. Poussez de l'hélène, fermez d'appeler la police. Appelle la police. Tu... C'est bon. Non, que veux-tu dire maintenant? Tu me supplies? Tu me supplies, c'est ça? S'il te plaît. C'est l'œuvre du diable. Oh, maintenant, tu connais le diable, n'est-ce pas? Tu connais le diable, ne me touche pas. Maintenant, tu connais le diable. N'est-ce pas, je te dire un truc. Je suis désolée. Si jamais j'entre dans cette maison et que je reviens te trouver ici, je vais te rouler dessus tes deux mots avec. Je te préviens. Je veux te voir ici. Je te préviens. Bébé, s'il te plaît. Ton diable de père. Bébé, c'est l'œuvre du diable. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolée. Je suis désolée. Bébé. Oh, donc, tu es encore là. Va-t'en. Que je te revois encore ici. Je suis désolée. Que je te revois encore ici. Bébé, s'il te plaît. Je te préviens. Je veux te revoir ici. Sorcière. Ouvre ce portail. Désolée. Sorcière. Sassienne. Je suis désolée. Idiote.
Je suis désolée. Je l'ai fait par amour, parce que je t'aime. Tu l'as fait au nom de quoi? Au nom de l'amour. Je m'en fiche de la raison pour laquelle tu l'as faite. Que ce soit au nom de l'amour ou de la pitié, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que tu quittes ma maison en paix. Ou tu le feras de la pire des manières. Doran, s'il te plaît, je suis désolée, je te jure, je suis désolée. Ça ne se reproduira plus jamais, je suis désolée, toi, s'il te plaît. Sorcière, regarde-toi. Si tu as pu le faire, qui sait ce que tu pourrais faire de plus? Qui le sait? Alors écoute-moi bien, c'est terminé entre nous. Ah, c'est Doran, terminé. Doran, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je t'en prie. Je suis sûr que tu n'aimerais pas voir mon mauvais côté. Tu restes là. Je t'ai dit que je suis désolée, Doran, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je voulais juste que tu m'aimes. Je voulais juste que tu reviennes à la maison, j'avais besoin de ton attention, j'avais besoin. Je suis désolée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Doran, pardonne-moi. Tu n'étais strictement rien quand je t'ai rencontré. Bébé, je t'ai offert une vie confortable et tu as l'audace de comploter avec une étrangère contre moi. Lâche ma chemise. Tu quittes ma maison aujourd'hui. Aujourd'hui, ingrate. Qui étais-tu quand je t'ai rencontré? Tu n'étais qu'une moindre. Tu n'étais qu'une esclave. Ne fais pas ça. Je t'en prie, ne fais pas ça, bébé. Belinda, tu peux me tuer. Tu es capable de me tuer dans cette maison. S'il tu peux vraiment non, me tuer. Non, je ne peux mais pas. Tu sais quoi? Ça va prendre plaît, fin non. aujourd'hui. Je c'est fini. Ne fais pas ça. Tu quittes ma maison aujourd'hui, lâche-moi. Tu quittes ma maison à cet instant. Idiote. 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 Bonsoir. Mon nom est Godwin Smith Adama, reporter de EZTV. Voici les titres du journal de 19h. Une jeune dame a été arrêtée aujourd'hui par la police. La jeune dame, qui a été déclarée séropositive, confirme qu'elle a infecté plus de 300 hommes. Je me nomme Topé, mais les gens m'appellent Tasha. Mon petit ami m'a trompé, a contracté le virus et me l'a transmis. J'ai décidé de me venger en couchant avec les hommes. J'ai contaminé environ 3000 hommes. Avant qu'on ne m'arrête, j'étais prête à faire plus. Croyez-moi, je ne regrette pas mon acte. Les gars. Écoutez, je viens de suivre la chose la plus horrible et j'ai accouru. T'as vu Tasha à la télé, n'est-ce pas? C'est dans les journaux que je l'ai appris. Mais j'espère fermement que ce soit faux. Sérieusement. On a commis une erreur. On a vraiment traversé la ligne. Le truc, nous devons aller faire des tests parce que les fois possible que nous n'ayons pas contacté le virus. C'est très possible, tout peut arriver. Écoutez les gars, on doit aller passer les tests. Et merde! Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était un mensonge? Non. Merde!
Je suis désolé, Monsieur Jason. Vous êtes séropositif. Je suis désolé, Monsieur Durand. Vous êtes séropositif.